Salut tout le monde, c'est Jérôme FPS. Donc là, on est sur Motel Manager Simulator. On est sur la vidéo numéro 12 et on va continuer notre petite aventure. Donc là, vous voyez que j'ai restauré tout mon... Comment on appelle? Mon motel. Toutes les chambres là, jusqu'à la numéro 6 là-bas, c'est des chambres simples. Et là, c'est une chambre double. On me demande pas beaucoup de chambres doubles. Et donc... Thanks. Préfère faire beaucoup de chambres simples. Et je pense que même après, par la suite, l'hôtel va être en U. Et je pense que je vais faire tout le bas en simple et tout le haut en double. Donc à fur et à mesure, je vais modifier. Ce sera peut-être plus simple. Alors, au niveau du carburant, on est bon. Alors ouais, j'avais dit que j'allais racheter, comme j'ai un peu d'argent, j'avais dit que j'allais racheter des... comment on appelle ça? Alors, numéro 6. Et tout ce qui est manger. J'en ai plus beaucoup. J'ai plus beaucoup de manger. J'ai plus beaucoup de trucs dans les dans le magasin. Donc il va falloir que j'en rachète. Alors, monsieur l'agent a été très très propre. A juste laissé un paquet de cigarettes. Donc c'est très très bien. Je vais prendre ma serviette. Ça, attends. Ça, ça et ça. Et ça part au nettoyage. Il faut pas que j'oublie de revenir avec mon papier toilette. Alors. Est-ce que j'en ai d'avance? Mise en route. Alors, j'ai besoin d'une serviette, ça, et un drap. Serviette, ça, et un drap. Et un papier toilette. Il va falloir que je rachète aussi du Elden Shooter, c'est tout ce qui s'ensuit là. Donc là, je vais déjà préparer la chambre. Comme ça, si j'ai une personne qui vient, qui demande une chambre 1. Là, il me l'a pris pour 12 heures. Donc ça va, il me l'a rendu quand même assez vite. Voilà. Et je laisse la porte ouverte pour dire que la chambre, elle est prête. Donc là, non, je devrais avoir un autre client qui devrait arriver. Et la 7, c'est la double. Donc là, on avait dit qu'on allait acheter. Il faut que j'achète du manger à tout prix. Donc on va aller dans livraison et je vais racheter un petit peu ça, 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 ça. Ça part très très vite. Ça. Double Mars, double ça, double ça, double ça. Pareil pour les boissons. 2, 2, 2, 2. J'ai pris tout, je sais plus. Ouais, j'ai pris ça, 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 ça. Et j'ai du jus de pomme. Et on va aller au produit voiture. 2, 2, 2 comme ça, 2 comme ça, 2 comme ça, 2 comme ça. Et ça devrait être bon. Alors, on est à 1800 et des brouettes. Gros fourgon, bien sûr. Et normalement, je suis censé avoir mes tonneaux, hein, c'est ça? Ouais, j'ai mes tonneaux et mon acide. Donc là, dès que j'ai 1598, hop, on commande. Ça va me re-remplir le magasin parce que le magasin se vide à une vitesse mais phénoménale. Regardez, je suis déjà à 400, je suis déjà à 2000. Hein. Voilà, 305. Et on va récupérer pour voir la cabine. Alors, la cabine téléphonique, il y a des moments, ça dépend. On l'achète 300 balles. Mais elle a déjà été quasi remboursée, donc ça va. Donc là, hop, on a les livraisons. Ouais, allez, je te commande. Voilà. Donc là, ça sera bon. Hop, hop, hop. Regardez, c'est déjà quasi vide. Alors les produits, bon, il y en a encore, mais... Voilà, toi. Toi, les bleus. Voilà. Et les jaunes. Voilà. Donc, ça part quand même assez vite. Là, il me reste 481. 481, mais il va falloir que je paye mon personnel. Voilà. Je vais les payer tout de suite, comme ça je vais être tranquille. Hop là.
On est sur l'électricité de la ville, je m'en rappelle plus, je vais aller voir. Ah ouais, on est sur l'électricité de la ville, donc ça va. Alors. Voilà, 13h. Donc ma livraison est prévue à 6h12. Eh ben, on va aller dormir. Un petit peu jusqu'à 6h. Voilà, 6h09. Oh, alors, monsieur, je vais te modifier. Je vais aller au entrepôt. Pourquoi? Parce que lui, il va vider le camion. Il va arriver. Ah, je prends mon argent. Hop. Hop. Ça, je peux en mettre là. Voilà, regardez, même les boissons, ça part super vite. Tout le manger, il part trop trop vite. Alors, j'ai quelqu'un ici. Qu'est-ce que tu veux? Alors, chambre simple, chambre double. Tu veux une chambre simple? La 06, elle est simple. Et elle est prête. Voilà. Amazing. Donc là, ça m'a ramené 100 et des brouettes de plus. Alors, ça et ça, c'est moi qui va les ranger. Alors, ça. Là, il m'en manque pas un. Voilà. Comme ça, si j'ai un problème ou quoi que ce soit, c'est go. Il y fait quoi, lui? Il est où? Voilà, on va bosser. Oh, il est bugué. Là, je vais essayer de le mettre sur une autre tâche pour voir si ce gestionnaire. Juste voir si ça va le débloquer ou pas. C'est bon, ça a débloqué. Maintenant, je vais le remettre sur entrepôt. Voilà, normalement il devrait y aller. Good job. Thank you. Voilà. Ok, ça. Il y a un problème avec quand je le mets sur entrepôt. On va inverser avec la femme pour voir. Donc, toi, hop, toi, je vais te mettre à l'entrepôt et toi, je vais te mettre à la caisse. Je vais voir si c'est un problème avec l'homme ou pas. Alors, elle y va par contre. Et lui, par contre, il voulait pas y aller. Il voulait pas travailler, toi. Je pense qu'il voulait pas bosser. Je sais pas comment on les pose. Après, moi, il y a un moment, je les laisse faire parce qu'ils rangent bien. Moi, je range à l'arrache. Et je sais pas vraiment si je peux les faire travailler tous les deux à l'entrepôt. Si j'arrive à les faire travailler tous les deux dans l'entrepôt, ça me permettrait d'aller plus vite. Et là, pendant ce temps-là, il faudra que je gère la caisse et le truc. Hein. Ok, on va aller voir si on peut mettre les deux à l'entrepôt. C'était bon. Alors, est-ce qu'on peut mettre l'autre à l'entrepôt?
Madame, vous êtes venu pour... Ouais. Attends, gestion, hop. Yes, entrepôt. Alors, ah, une chambre... J'étais dans la chambre... Ah non, elle était dans la chambre numéro 2. Ok. Je crois qu'elle voulait une chambre double. Ouais, okay, merci. Et toi? J'en ai pas, désolé. Pour le moment, j'en ai pas. Alors, je vais juste vérifier s'il y a été ou pas. Ok, là, il faut. Thanks. Amazing. Voilà. That was fast. Quel? That'll do. Il y en a quand même. Wow, that's quick. Et là, on va jouer sur les deux, on va faire les deux. That was fast. Regardez qu'est-ce qu'ils font. Est-ce qu'ils vident ou est-ce que... Ils vident à deux le camion. Ah, j'ai oublié, c'est de prendre des cigarettes. J'ai oublié d'acheter des cigarettes. Et les cigarettes, ils les achètent. Ils achètent bien aussi. Wow, that's quick. Voilà. Là, on court partout, hein. You were lightning fast. Vous allez voir ce qu'ils font. Oh, ça va, ils ont quasi vidé. Ils ont réussi à tout mettre. Ah ouais, quand même, ils ont bien rangé. Voilà, livraison terminée, le camion peut partir et pendant ce temps-là, ben, eux, ils vont ramener. Thank you. Au magasin. Il y a quelqu'un là-bas. J'en ai pas. Pour ça, les chambres doubles, je vois pas trop l'intérêt d'en faire beaucoup. Parce que ça bloque. Thank you. Non, on n'en a pas autant. Et souvent, quand ils viennent avec une chambre double, il y a quelqu'un qui attend sur le parking. Voilà. That was fast. Après, je sais pas si à fur et à mesure ils vont venir mettre, mais à fur et à mesure ils vont acheter, Sinon, bah, je ferme ma supérette. Hein. On verra bien comment ça se passe. Hein. Comme c'est que ça me permet de rentrer de l'argent. That was quick. Enfin, je crois que c'est une tâche. Allez. On est bien parti. You are lightning fast. Deux clients à la boutique. Pour cette petite voiture en premier. Ça va aller super vite. Voilà, on va de l'avant pas essence.
Thank you. Et je me demande si je remonterai un peu les produits d'un euro, j'aurais peut-être un... Good job. Amazing. Je vais fermer mon magasin. Je vais fermer mon magasin, je vais les laisser remplir, on va regarder. Donc toi t'es tout seul en plus. Donc là, boutique, je la ferme. Gestion, tarif. On a les tarifs. Et les donuts, prix de vente. Ah ouais, je les achète 1,70, je les vends 2,45. Si je mets 3, on va faire au franc supérieur. Donc 1,30. 1,30. Si je mets à 2, ça va pas le faire, hein, ça va faire trop chaud. On va tenter 2. Prix de vente 1,42. 1 euro. 1,52. 2,15. 2,50. 1,50. 3. 2. 3,50. On met 4. Voilà. Boisson, ouais, je les ai fait. Donc c'est 1,90, on va faire 2,20. 2,20. 3 et 1,62. Voilà. Pâtisserie dans, alcool non, cigarette non, parce que j'en ai pas. De toute façon, c'est les produits que j'ai dans mon magasin. En fait. Appartenant, donc c'est bon. Là, on est à 6,25, je vais mettre 8. 7, 6, 7, 5, 60, 6, 50, 4, 5, 4, 50, 5, 40. 40, pardon. Journaux, non, non, non. Voilà, on va dire que c'est bon. J'ai amélioré un peu mes prix. Pas beaucoup, mais bon, à quelques centimes près, ça pourrait le faire. Ils font... Pour se rentrer dedans. C'est bon ou pas? Ils sont en train de se chamailler pour savoir qui va passer le premier. Great. J'ai deux chambres aussi que je peux mettre en location. Il faut que je nettoie tout. That was fast. You were crap. Voilà. Oh purée, c'est vrai que c'est moi qui fais la caisse. J'avais complètement oublié. Tellement l'habitude d'avoir des ouvriers à la caisse que j'ai oublié. Voilà, ils sont en train de remplir. Pendant ce temps, je suis tranquille. Dès qu'ils ont rempli, je vais essayer d'aller mettre quelqu'un qui va aller là-bas. Non, j'ai pas. Merci pour, Donc là, j'ai la 6. La 1, la 2 et la 6. Bon, moi, je vais faire le nettoyage. Donc la 1... Un peu sale, ouais, y a quelques... Dans 1, 2, 40 dans la salle. Là. Voilà. C'était 1, 2, 6, c'est ça? Je vais pas ouvrir la porte.
Voilà, le reste ils se dérouleront. Avec les draps et tout. Voilà. Alors, l'essence. Il faut que j'arrive à acheter une cabine téléphonique alors. Le problème, c'est que si je reprends, oh, puis, pas de... si je reprends un arrêt de bus, ça va pas aller. C'est 1500 l'arrêt de bus. Et, au pire, à 2500, je préfère encore faire l'électricité. Ne plus avoir de problème. You are lightning fast. Allez, on y va. In a heartbeat. Alors, je vais mettre une personne qui va me faire mes deux chambres. Ça devrait aller. Voilà. Ils sont là, non? Pourquoi elle a pris de la peinture? Ah non, c'est le papier toilette. Il va dire merde, elle prend de la peinture. Et lui, il fait rien, lui. Ah, ils ont déjà rempli le... Ah bah, je vais inverser, alors. Je vais remettre la femme à la caisse. Hop. Toi, je vais te remettre à la caisse. Et toi, je vais te remettre à... Et je vais rouvrir le magasin. Voilà. Ah, elle a pas acheté le papier par terre. Je vais aller voir quand même si elle l'a mis. Ah, c'est bon. Déjà. Mais... Alors, dans les chambres, j'ai juste la numéro 7. Tout le reste, il n'est pas prêt. Les autres sont encore alloués. Il faut qu'il me, bah, qu'il me finisse les chambres. Elle veut quoi, une chambre? Pour 12 heures, attendez. Je vais mettre, attendez une minute supplémentaire. Là, mais... Quoi? Attendez. Qui fait l'aller-retour? Thank you. Ah. Bon, t'as vendu non. Et ouais, ils ont rien rempli à fond, c'est ça que je comprends pas, pourquoi ils remplissent pas les rayons complets, j'arrive vraiment pas à comprendre. Donc chambre, la 06 elle est prête. Le problème c'est que ouais, je peux t'en louer une. Prends celle-là. Elle veut une chambre avec un lit. Pour l'instant, elle n'est pas prête. Il faut attendre. Là, je peux lui donner la 01. That'll do. Alors. Voilà. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5. I'm losing patience. Ouais, ben, 29 secondes. Est-ce que je peux la refaire patienter une minute? Je ne sais pas.
Ça va pas vouloir attendre plus. Ah, à moins que je peux le faire dans quelques secondes. Chambre 02. Toujours pas prête. Non, toujours pas prête. Ah bah c'est tout. Alors, allez, on va essayer de prendre une cabine téléphonique pour voir c'était combien mise à niveau. Entrepôt et tout, boutique, ça sera plus tard. Salle du personnel, ça sera plus tard. Parking, c'est fait. Parking motel, c'est plus tard. La station service, c'est cher. Ça, c'est 2500. Ça, non. Ça, non. Ça, non. Ça, non. Et la cabine, là, c'est 300. Allez, on va mettre... hop. Allez, hop. Cool. Comme ça, j'achète toutes les cabines téléphoniques. Je suis tranquille. Non. Voilà. Alors bon, c'est bon. Là, ça s'est remis en route. Tac. On a du monde. Hein. On a du monde. Ici, là-bas, j'ai personne. Qu'est-ce qu'il fait, lui, là-bas, maintenant? Il m'a préparé ou pas? Alors, pourquoi cette chambre n'est pas prête? Et la 02 qui n'est pas prête, il lâche pas le linge. Et j'ai celle-là. Elle est sale. Ok, d'accord, c'était pour ça, là. Ok, donc là il y a du nouveau linge, tout. Après peut-être qu'il peut pas nettoyer parce que c'est pas comment. La machine à laver elle est utilisée, je crois. Là, il est reparti. Donc, c'est vraiment bon. Je vais pouvoir te louer laquelle là. La 05. Ouais. Have a nice day. Voilà. Et je pense que le linge est en train d'être lavé, c'est pour ça qu'il le fait pas. Pour moi, c'est ça. Ah, il est là, il attend. Et il est censé faire la chambre là-bas. Hein. Voilà. Il est censé faire la 02, c'est ça? Ouais. Je vais pas prendre le linge. Autant le faire nous-mêmes. Hein. Il est parti faire cool. De temps en temps, on se pose des questions sur ce qu'ils font. Hein. Vous voyez, il met sur les étagères. Hein, donc, on peut le remettre à la station. Ça. J'ai perdu de l'argent, mais je suis obligé de les payer. Ouais, c'était 602. Allez, ah merde, j'ai pas pris le papier toilette. Ah, je vais aller chercher. Donc là, j'ai encore une chambre de... Bon. De libre. Là, il est en train de faire l'essence, donc c'est bon. Par exemple, la chambre numéro 2, la grande chambre là-bas, je la loue pas. Là, il y a tout ce qu'il faut. Je vais vérifier quand même, mais si je peux la louer, c'est qu'il y a tout ce qu'il faut. Il y a la salle de bain, il y a le lit, il y a le petit canapé. Mais j'arrive pas à la louer. C'est rare qu'ils viennent avec une chambre x2. C'est assez rare. Monde y arrive.
Il va falloir que je fasse toutes les camions. That's amazing. Voilà, on nettoie un petit peu. Hop. Allez chercher des cartons, je vais remplir un manger. Bah, ils ont pas assez rempli. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Ça, 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 ça et ça. Alors, on va vider l'étagère. Là, ça sert à rien que c'est dans le stock. Hein. C'est mieux que ça soit ici. Hein. Donc toi, tu es là. Toi, les rouges, c'était là. Ça, c'était là. J'ai des cartons, il y a trois trucs dedans. Thanks a bunch. Oui. Et je sais pas dans quel objectif il calcule ça. Moi je dirais que bah, tant que j'ai ce qu'il faut, il faut le mettre dans le dans les rayons. Ça a rien à mettre dans le stockage. Hein. Prendre la bouffe. Ça c'était ici, je crois. Ah, un seul. Deux. Et c'est les cartons qui remontent alors qu'ils sont vides. Il y a trois trucs dedans. Ça. Voilà. Let's go. Poubelle. Alors on a eu du poisson. Il va me rester que les trucs. Hein. On a plus. Donc c'est chiant parce qu'en réalité on croit que le magasin il va être plein et il y a quatre trucs dans le carton. Voilà. That is awesome. Ça c'est un peu ma calculée. Hein. Alors, bah les bouts, ça je peux pas. Ah, c'est ça, 1, 2, 3, 4. Ah, ça aussi. Ça aussi. Bah, je peux pas prendre plus. C'est vrai que je peux prendre que 5. J'ai vu qu'il y avait encore des boissons. Là, je vais prendre. Mal géré par contre. Alors j'ai quelqu'un au bureau, je vais aller voir. C'est quelqu'un qui rend un logement. Hein. That's quick. Le soda et dernier coca.
Ah, j'ai quasi tout vidé. Tout ce que j'ai acheté, j'ai mis sur toutes les étagères. Il y a ça. Ah, j'en ai un. On va voir. Mais je crois que ça, j'en ai même encore en magasin le produit vert. Hein. Thanks. Voilà. Ah, ça, je vais prendre mes sous. Récupérer 400. Je vais regarder s'il me manque des autres trucs. Ça, je sais quoi. Les deux là. Ça, je peux en mettre. Ça, je peux en mettre. On va vérifier si maman. Là, j'en ai mis full. Voilà. On va plus avoir grand chose au niveau du stockage. Voilà. J'ai oublié que celui-là était vide. Aller voir au niveau des cabines téléphoniques, récupérer un peu l'argent partout. Hop. Là, là, 0, 0, 0, 1, 30. Donc là, j'ai deux personnes en boutique. Ici, il n'y a personne qui m'a rendu quelque chose. Non, non, pour l'instant, il n'y a personne qui m'a rendu. Si j'ai une chambre de dispo, et la 2 qui est dispo, et là, bah la 5 elle vient de s'ouvrir. Donc j'ai la 2 dispo. Il y a quelqu'un qui en veut une. Bonjour madame. Ouais, la 2 elle est dispo. Attendez, bon, vas-y, prends. C'est pas pour longtemps, mais bon, 12 heures. 77. This is too bad. Et là, je vais récupérer ma chambre. Normalement, bah, c'est la celle du front. Great. C'est la numéro 5. Allez, on va récupérer la numéro 5. Là, on va la nettoyer. Alors, toi, t'es sale. Le reste, donc, vous voyez que c'est considéré comme un lit d'une personne. Parce que de temps en temps, quand je vais louer à deux personnes, je vais avoir... Alors, je vais enlever les draps. Parce que je vais les louer. Là, vous voyez que c'est propre, donc c'est plié. Quand je loue à deux personnes, ça m'abîme les 6. Et là, non. Ok, donc toi et toi, on est là et là. Toi, ouais, on y va. Après, je peux la remettre quasi en route tout de suite. Par contre, le carburant, vite. Il faut que je rachète tout de suite ça. Carburant, hop, à fond. Non.
Voilà, donc il m'en faut. Alors, il faut une serviette, un drap, une couverture, un papier toilette. Et ça devrait être bon pour la chambre. La réserve de carburant, elle est faible et j'en ai acheté. Il faut juste attendre qu'il remplisse. Alors, hop. Mets-le là-bas. Toi, mets-le là-bas. Toi et toi, là. Voilà. Donc là, je peux louer la numéro 5. S'il y a quelqu'un qui vient. Carburant, c'est bon, ça a disparu. Il y a du monde qui arrive. Par contre, la dernière, elle est toujours sur zéro. Bizarre, mais... Okay, je vais rechercher un peu d'essence, je vais mettre tout de suite dessus. Là, je suis remis sur l'électricité de la ville. Voilà, il est éteint. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un qui va venir dans une chambre? Ouais. Donc, j'avais dit que j'avais la 05. À moins que c'est une double. On va prendre celle-là. Bah, écoutez, hein, la 7, je vais la louer. Hein, de toute façon, dans tous les cas, elle est louée là. Voilà. Je suis obligé, elle est pas rentable. J'ai une chambre, ça fait quasi une bonne heure, elle est vide. Alors je sais pas s'il faut mettre des choses spéciales pour qu'ils viennent dans une chambre double. Donc ouais, j'ai loué tout, comme ça je suis tranquille. Je suis tranquille. Alors. Il faut que je rachète des cigarettes, je vais manger. Manger, ça part super vite. Good job. Le jaune, c'est bon. Les bleus, c'est bon. Le vert, c'est bon. C'est bon. Il faudrait que j'achète d'autres étagères aussi. Pour pouvoir essayer de faire des... dans le prochain épisode, on va acheter deux étagères de pâtisserie. Et on va pouvoir mettre des pâtisseries dans le magasin. On fera les pâtisseries, ça sera bien. Ouais, juste que même je regarde combien ça me coûterait. Et on va aller faire un petit tour. Et je vais mettre dans livraison. Donc là, on va aller sur étagère. Étagère, c'est ça. Donc c'est 60. Alors, il y en a deux différents. Bakery Country Big et Bakery Country Small. Donc à mon avis, il y a des petits et des grands. Donc on va regarder là. Pâtisserie. Qu'est-ce qu'il dit grand ou petit en fait? Bah, c'est pas grave, j'achèterai les deux. Puis équipement étagère. On va prendre une comme ça et une comme ça. Voilà. Et ça c'est quoi? C'est pour les journaux? Je pense. Donc là, il faudra qu'on reprenne la pâtisserie. On va prendre deux comme ça, deux comme ça, deux comme ça, deux donuts, deux muffins, deux comme ça, deux comme ça, deux comme ça. Voilà. Et par contre, il faut que je reprends cigarette. Ça va me faire un devis. Voilà. Et les journaux. Voilà, mais après j'ai peur que le camion est pas assez grand. Ah si, ça va. 2637 par contre. 2637 pour pouvoir tout faire. Ah, j'ai de l'essence. Hein. 30.
c'est bon. On les mettra là-bas dans le fond. Je vais regarder, mais il me semble que j'avais acheté de l'essence au début de la vidéo. On va me rendre la flamme numéro 24. Ouais, c'est bon, je sais pas. La numéro 01. Allez, hop. On va aller tout nettoyer. Est-ce qu'elle a sali ou quoi? Ah non, elle était plutôt propre. Un petit coup là, vite fait. Allez, hop. Ah, non, y a rien. Let's go. Donc, on va prendre ça, ça, ça. On y va. Alors là, 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 on va vider la machine. Alors. Je vais prendre un papier toilette, il n'y a pas voulu. Ah, j'ai oublié de prendre le LDL Shooter, ça, à chaque fois. Au tout début, je mettais du shampoing et là, j'en mets. Voilà, et j'ai une chambre de dispo. La 01, elle est dispo. $12. 39$. Fais un petit tour dans les cabines. Ah, ça va, j'ai cru qu'on était sur le... Comment ? Sur la... sur l'électricité du coup, des groupes électrogènes. Alors, là on est bon, là on est bon. On a quand même des trucs. J'ai repris des cigarettes, j'ai tout pris. Donc. Après, peut-être que... Ah oui, c'est peut-être aussi pour ça que j'ai pas... Alors, je vais regarder combien ça coûte. Parce que le parking, ben, comme il est petit, il n'y a peut-être pas de voitures qui viennent. C'est peut-être pour ça. J'ai pas pensé à ça. Le parking soit à combien? 50. Voilà, on est tranquille. Bon, j'ai claqué un peu de sous, mais question personnelle, paye, paye. Voilà, je suis fauché. Livraison de naissance, c'est bon. Et donc là, peut-être que j'aurai plus de clients. Et peut-être que là, la chambre double, elle va peut-être servir. Je pense que c'était à cause de ça. On verra bien. Ah, regarde le tour déjà. J'ai une vide, non? Ouais, j'ai la 01 qui est dispo, donc je pourrais lui louer la 01. J'ai une personne là. Je crois qu'elle va me rendre aussi une chambre. Ouais, thanks a bunch. La 02. Alors, on y va. Merde, j'ai tout mis ensemble. J'ai mélangé les trois, donc j'ai envoyé deux fois le cycle. Ah. Ah non, le papier toilette, il y en avait déjà. Ok, let's go, bah, je vais mettre là. Voilà. Madame, vous voulez une chambre pour une 96 heures. Et vous donnez la numéro 1. 430.
j'ai des petits freezes. Arrêtez quand je joue avec le jeu pendant un certain temps, après je commence à avoir des freezes. Je suis obligé de le redémarrer. Thank you. Ah, j'ai eu le temps de laver les deux. Donc c'est peut-être pour ça que... j'ai peut-être pas de chambre double. Il faut des sous. Il faut 2000. J'ai le téléphone gratuit ou quoi? Ouais, 0. Alors, c'est pas avec ça que je vais devenir riche. Il faudra qu'aussi un de ces quatre, on prenne un pot de peinture et qu'on essaie de peindre ici. Faire quelque chose de propre. Là-bas, j'ai peint en marron. J'ai pas les bonnes couleurs, je vais pas le mettre en violet ou en bleu. Donc, peut-être mettre en vert ou quelque chose de beige. Ou... mais je veux pas de couleur flash. Alors, est-ce que tu veux louer? Ou est-ce que tu me rends? Ah, purée. Chambre avec deux lits. Le problème, c'est que... attendez une minute. La chambre avec deux lits, c'est la 7. Ah, 26 secondes. Ah bah si, bref. Ça va être compliqué, hein, parce que... ah, si je vais chercher tout déjà, je vais tout ramener. Essayer de gagner du temps. Donc, c'est une chambre double, hein, c'est ça? Chambre double, je vais prendre un comme ça, un comme ça, un comme ça, tac, 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 un papier toilette, parce que comme j'ai mis qu'une seule femme dedans, mon avis, elle aura utilisé qu'un seul truc. Elle arrive. Elle est en train de sortir de la chambre. Allez madame, on court s'il vous plaît. Par contre, je ne peux pas rentrer dans la chambre, regardez. Il faut vraiment que je récupère les clés pour pouvoir rentrer dans cette chambre. Elle m'a sali le lit. Elle m'a sali que un côté du lit. Ouais, que un côté. Ouais, c'est patienter. Hein. Ah, le problème, c'est que... ouais, hop, vas-y. Attendrai une minute. Comme ça, ça va m'envoyer les autres. Sinon, ben, elle va pas me la rendre. Désolé, j'ai pas. Désolé, j'ai pas. Allez, madame. Attendre une minute. Voilà. Allez, vite. Have a nice day. J'ai un pot de peinture qui est là. Serviette. Ça. Et ça. Voilà. Donc. Ça c'est sale, ça c'est sale. J'ai essayé de faire le plus vite possible. Un rouleau de papier toilette, là. Serviette, là. Voilà. Voilà. Voilà, c'est bon. Je sais pas si elle est partie par contre. D'accord. Oui. Thanks. On t'aime la loue pas cher. Hein. La loue vraiment pas cher. Pourquoi j'ai 5 clients à la boutique, elle vend pas? Ah, il faut 2000 et des boîtes. On le fera pas sur cette vidéo là parce que c'est pas assez. Enfin, 2 là. Ah, 11. Hop là. Voilà. That
is what I was looking for. Pas pleine, elle est quasi pleine. Ça. Voilà. Ah, donc là, elle l'a pris, on est tranquille. Par contre, j'ai pas d'autre chambre. Give me a break. Non, j'ai pas de chambre. Donc, on va fermer le motel. Motel fermé, s'il vous plaît. Ah, pareil, si je ferme le motel, il devrait partir automatiquement. Thank you. Ah, j'ai une chambre de libre. C'est à quoi, la 06? On va aller voir. Bon, j'ai déjà le papier toilette, je peux le prendre. Être à la 6. Là, j'aurais juste les couvertures à prendre. Voilà, comme ça au moins, j'ai juste le linge à prendre. Il me faut une couverture, un drap, une serviette. Alors, tac, 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 hop, hop, voilà, nickel. Magnifique. Et je pense qu'en réalité, comme je le mets dans le sens, ça me le rend dans le sens. Là, on va aller à 06. Ouverture. Voilà, voilà. J'ai cru que l'étagère, elle est à l'envers. Là, 2 minutes et des brouettes. Madame, elle veut quoi? En plus, une chambre rose, la femme, elle est rose. Jaune, pardon. Chambre jaune pour une femme à bien jaune. Je vais prendre ça. Thanks. 167. Alors là, c'est fermé. Je peux pas le prendre parce qu'il y a un ouvrier. Je voulais le faire avant lui, mais. Ah non, je peux pas le prendre. Ok, d'accord. J'ai cru que je pouvais le faire. Il va falloir que je prenne une deuxième station aussi, un de ces quatre. Pareil, si les stations, c'est... par contre, c'est bloqué, c'est chiant. Et j'aurais pu m'occuper de une et lui s'occuper de l'autre. Ok, bon, ben pour la prochaine fois, on va devoir continuer un petit peu à faire tout ça pour pouvoir gagner les 2000. C'est combien 2617. Et quand j'aurai les 2617, ben là, je pourrai commander. On aura des cigarettes, on aura de la pâtisserie. Très bien. Ok, je veux dire qu'il n'y a rien de dispo, comme ça, ils vont tous partir. Et on sera bon pour cette vidéo-là. Ah, je suis sérieux, j'ai pas de chance, hein. Have a nice day. Oh, lui était content. Really? Voilà. Donc voilà, on va arrêter la vidéo là. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, laisser des petits commentaires, partager des petits pouces bleus et je vous dis ciao ciao. C'était Jérôme FPS. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo là, donc n'hésitez pas à cliquer sur abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche pour avoir les prochaines notifications. Donc si vous aimez cette chaîne, vous aurez 2 vidéos à votre disponibilité, soit la vidéo droite, soit la vidéo de gauche, mais si vous aimez vraiment la chaîne, il y en a énormément et il y a beaucoup de vidéos, donc n'hésitez pas à continuer à regarder cette chaîne. Je vous remercie, bonne journée.